Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous propose aujourd'hui quelques consignes usuelles que nous employerons au fur et à mesure que nous aurons besoin. La citation du jour, la langue est une encre qui fixe l'identité au fond de la conscience humaine. Maintenant, j'apprends les consignes. J'écris. J'écris, c'est un verbe de troisième groupe. J'écris une lettre, par exemple. J'écris une phrase. Aktub. Je relis. Je relis. Le verbe relier, c'est un verbe premier groupe. Je relis entre deux séquences, deux phrases, entre deux mots de la même famille, par exemple. Assez long. Je colorie. Je colorie, c'est un verbe du premier groupe ER. Je colorie la surface, par exemple. Je colorie la partie d'une phrase, ou bien le sujet, ou bien le verbe. Ou là, oui, non. Je coche la bonne réponse, par exemple. C'est un verbe du premier groupe. J'entoure. Le verbe entourer, c'est un verbe premier groupe. J'entoure la bonne réponse. Ohéto. J'encadre. Le verbe encadrer, c'est aussi un verbe du premier groupe. J'encadre, par exemple, le complément d'objet direct, par exemple. Je souligne. Aussi, c'est un verbe du premier groupe. Le verbe souligner. Je souligne tout. Les verbes, par exemple, du premier groupe. Je complète, par exemple, les phrases à trop. C'est aussi un verbe du premier groupe. Passons à d'autres groupes de verbes. Le verbe lire. Je lis, c'est un verbe troisième groupe. Je lis la question, par exemple. Akrao. Je compte, c'est aussi un verbe du premier groupe, le verbe compter. Je compte les nombres, par exemple. Je compte de 1 à 10, par exemple. A'uddu, a'uhsubu. Je choisis. Le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. C'est un verbe du deuxième groupe. Je choisis la bonne réponse parmi ces réponses. Nous avons un choix, donc je choisis la bonne réponse. Je trouve, le verbe trouver, c'est le verbe du premier groupe. Je trouve dans ce texte seulement les indications du lieu, par exemple. Je propose une solution à ce problème, par exemple. Le verbe proposer aussi, c'est un verbe du premier groupe. Le verbe conclure. Conclure, c'est un verbe troisième groupe. Je conclue par une citation. Par exemple, un auteur a conclu son œuvre par une citation. Je réfléchis. Le verbe réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Nous devons réfléchir avant de répondre. Le verbe réfléchir, au fakir. Je rédige, c'est un verbe du premier groupe. Le verbe rédiger, je rédige une lettre administrative, par exemple, bien personnelle. Ça, c'était des consignes que nous devons utiliser. Nous essayons d'appliquer ces verbes que nous venons de les lire. Nous essayons d'appliquer ces verbes dans des phrases de modèle pour enrichir nos vocabulaires linguistiques. Merci.